Encore. Personne, please be seated. Assieds-toi. Veuillez vous asseoir. The court is now back in session. Prise de l'audience. And the chamber will start to hear a witness 2TCW868 in public session to the maximum point. En séance publique, autant que faire se peut. Every technician, please connect the audio link to the public gallery and to the press room as normal. Court officers, please invite the witness into the witness stand before the trial chamber. President, good afternoon, Mr. Witness. What is your name? Witness, good afternoon, Mr. President. My name is Xian Sung. President, how do you spell Sung? Can you read and write? Savez-vous lire et écrire? With the, you know, apostrophe on ngo in Khmer letter. President, thank you, Mr. Sung. When were you born? Merci, Monsieur Sung. Quelle est votre date de naissance? Answer. I do not recall my date of birth, Mr. President. I only know my age nowadays, Mr. President. Very well, Mr. Witness. And how old are you? Quel âge avez-vous? Answer. I am 55 years old now. President, thank you, Mr. Xian Sung. Where were you born? Où êtes-vous né? Answer. Réponse. I am living in Tawoso village, Kampong Kleang Commune, Sonikum District, Siem Reap Province, said the witness. President, and what is your current address? Et quelle est votre adresse? Answer. I am living in Tawoso village. President, what a commune, district, and province is it? District et province se trouve ce village? I am living in Tawoso village, Kampong Kleang commune, Sonikum district, Siem Reap province. President, thank you. And what is your occupation? Answer. I am a fisherman. Je suis pêcheur. Question. What are your parents' names? Question. Comment se nomment vos parents? Answer. My father's name is Réponse. Mon Chuan Xian and my mother's Xian, Wan Lum. Wan Lum. President, thank you. What is your Merci. Wife's name and how et many children do you have together? Et combien d'enfants avez-vous avec elle? Answer. My wife's name is Tap Lom. Réponse. I am the father Tap of Lom, five children.
President, thank you, Mr. Song. Merci, Monsieur Song. Based on the Greffier report, to the best of your knowledge, you were not related to the two accused, Nguyen Chi and Kieu Sompon, and to the individuals admitted as civil parties in this case 002. Is this information correct? Answer, yes, that is correct. Question. Have you taken an oath before the Iron Club statue before your appearance? Answer, yes, I have already taken an oath. President, thank you. The Chamber would like to inform you of your rights and obligations as a witness. As a witness, in the proceedings before the chamber, you may refuse to respond to any question or to make any comment which may incriminate you. Right against self-incrimination. Your obligations. As a witness, Mr. Song, in the proceeding before the chamber, you must respond to any questions by the bench or relevant parties, except where your response or comments to those questions may incriminate you, as the chamber has just informed you of your rights as a witness. As a witness, you must tell the truth that you have known, heard, seen, remembered, experienced, or observed directly about an event or occurrence relevant to the questions that the bench or parties pose to you. Mr. Song, have you ever provided a testimony or have you ever been interviewed by the investigators of the OCIJ, of the ECCC? How many times did they take place and where did they take place? Answer, yes, I have been interviewed. I cannot tell you, Mr. President, how many times the interview took place. President, do you recall where they took place when you were interviewed by the investigators? Answer, I was interviewed at a Ksat Pagoda. À la pagode de Ksat. President, thank you. Before your appearance, have you read, reviewed, or did somebody ask, read to you the written records of the interview to refresh your memory? Answer, yes, I have read the written record of the interview. President, thank you. To your best knowledge, can you tell the chamber whether or not the written record of the interview is consistent with the testimony you provided through the investigator of the ECC at Ksat Pagoda? Answer, yes, it is consistent. President, in accordance with internal Rule 91 bis of the ECCC, the Chamber now gives the floor to the co-prosecutor to put questions before other parties. The combined time for the co-prosecutors and the lead co-lawyers for civil parties is 2 sessions. You may now proceed. Merci, Monsieur le Thank Président. You, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Témoin. Mon nom est Vincent Deville et donc witness. Je vais vous poser des questions Deville, and I'm going to put questions au nom to you du bureau des co-procureurs. Nous vous remercions d'être là et de répondre le plus complètement aux questions que nous avons à poser, essentiellement sur ce qui s'est passé à la pagode de Ksa. Si vous ne comprenez pas une question, vous pouvez toujours me demander de la répéter. You can ask me to repeat it. J'ai d'abord quelques questions concernant
ce que vous avez fait vous-même entre 1975 et 1979 sous les Khmer Rouges. Under the Khmer Rouge regime. Est-ce que vous pourriez nous dire à quel endroit vous habitiez where you à were l'époque living back then. Et où vous avez travaillé and where you worked. Somebody know. Khnyom nau kong chalat. At that time, I worked in a mobile unit harvesting rice. Et à quel endroit était-ce? And where was that place? Dans quel district, dans quelle commune, in which et dans district, quel village? In which commune, in which village were you harvesting rice? I harvested rice in Songwai commune. Dans la commune de Songwai, c'est là que je récolte. Jiang village. Le village se nommait Jiang. Est-ce que vous êtes resté là pendant toute la durée du régime? Did you remain there during the entire duration of the regime? Khnyom nau ti no. Actually, I decided permanently because sometimes I was reassigned to harvest rice here and there. D'aller récolter le riz ici et là-bas. Durant la période où vous étiez dans la commune de Sanghoi, dans ce village de Tieng, in Tieng village, est-ce que vous avez assisté à des réunions qui étaient présidées attend meetings par that were chaired le chef de la commune, by the commune chief, le chef du village or by the village chief, le chef de l'unité mobile, or by the chief of the mobile unit? No, I did not. Réponse, non. Est-ce que durant cette période-là, des gens du peuple nouveau sont venus s'installer dans la commune de Sanghoi? Yes, there were. Réponse, oui. Est-ce qu'il y en avait beaucoup were there many of qui them? Se sont installés sur place? Did many people est-ce settle qu'ils ont there? Été mélangés and were à la population mixed with the local de base? Population, that is to say, with the base people there. New people lived or mingled with the base people. Habitaient mélangés avec les peuples de base. Est-ce que après le 17 avril 1975, parmi les gens du peuple nouveau, les autorités Khmer Rouge ont recherché s'il y avait d'anciens fonctionnaires ou des soldats de Lon Nol? To see if there were former officials or former Lon Nol servicemen. No, it did not happen at the place where I lived. Cela ne s'est pas produit là où j'habitais. Est-ce que parmi les gens du peuple nouveau, il y avait des gens qui appartenaient à des minorités ethniques, comme des Cham ou des Vietnamiens? Among the new people, were there people belonging to ethnic minorities, such as Cham people or Vietnamese? There was a Vietnamese family. Il y avait une famille vietnamienne. Pouvez-vous nous donner les noms des Can membres you provide de cette us famille? With the names of the members of that family? I forget it, however, I recalled an unmarried woman. Je me souviens qu'il y avait une femme célibataire. Et vous ne vous souvenez plus du nom de cette femme célibataire non plus? You no longer remember the name of that unmarried woman? Chmoh Chantha.
Her name was Chan Tha. Chan Tha. À part la famille de Chan Tha, est-ce qu'il y avait des Vietnamiens qui étaient installés dans cette commune depuis plus longtemps? There are any Vietnamese people who had qui settled donc in le quotidien des gens du peuple de base. Since a while, that is say people who shared the day-to-day living of the base people. No, there wasn't. As I said, there was only one family in that village. Dans ce village. Est-ce que vous savez s'il y avait d'autres familles en dehors de votre village, other families outside of that village? Dans la commune de Sang Voi et le district de Chi Kreng, and il y avait d'autres familles vietnamiennes. Were there therefore other Vietnamese families in that commune and in that district outside of your village? I was not so sure about that because when they gathered up the Vietnamese, I did not know which villages or communes they gathered them from. D'où, enfin, de quel village et de quelle commune ils venaient? Est-ce que vous avez jamais entendu parler que dans votre district de Chi Kreng, hear that in your district à un moment donné, of Chi Kreng, on a établi des listes lists de Vietnamiens. Were drawn up of Vietnamese people. No, I did not hear about it. Non, je n'ai pas entendu parler de cela. Je vais en venir à l'événement now going to pour lequel turn vous êtes to the event essentiellement ici. Explaining why you are here, essentially. Est-ce qu'il y a eu un massacre so de Vietnamiens à la pagode de Ksa en 1978? Ksa Pagoda in Est-ce que vous pouvez 1978? Nous dire Can you tell us ce qui s'est passé sur what place? Happened there? President Witness, please hold on. Suivez-moi and Councilor Cobra, do you have the floor? La parole est à Madame Cobra. La défense. What kind of question is that? Quel genre de question est-ce que c'est cela? Was there a massacre in 78? Y a-t-il un massacre en 78? Question that you were asking after five minutes? C'est la question que vous posez vraiment au bout de 5 minutes d'interrogatoire? Monsieur le Président, je ne sais pas si c'est une objection, I don't know if une it's simple an objection remarque. Or a simple comment. Je peux reformuler. So I can rephrase my question. Que s'est-il passé à la pagode What de Ksa? At Ksa Pagoda? En 1978, y a-t-il eu un événement majeur qui s'est passé? Did anything special and major happen there? No. In that year, I was in a mobile unit, and while I was on my way to my home, I witnessed what happened there. J'ai été témoin des événements là-bas. Et de quoi avez-vous été témoin précisément? What did you witness specifically? I saw Vietnamese people being killed and dropped into a pit. Et on les jetait dans une fosse. Bien, nous allons revenir en détail sur we will get back cet événement to that event et la façon detail, dont cela s'est passé. And the way the event unfolded. Tout d'abord, pour First, situer however, le contexte, to à la pagode context, de Ksa, est-ce qu'il y avait entre 75 et 79, were there des moines, des célébrations religieuses qui religious y avaient lieu. Ceremonies between and religious ceremonies between 1975 and 1979. What no? What? I was living near the pagoda. Alors que there je vivais was no monk residing in that pagoda. À l'intérieur de la pagoda.
Et pourquoi n'y avait-il pas de moines and ou de célébrations bouddhistes à l'intérieur de la pagode? No Buddhist ceremonies at that pagoda? I did not know the reason for that. À quoi servait donc cette pagode entre 75 et 79? What was the purpose of the pagoda between 1975 and 1978? What no? The pagoda was used to house mobile unit workers. However, they only stayed there for temporarily for about a fortnight, then they moved out. Qu'une quinzaine de jours, ensuite aller ailleurs. Est-ce que vous-même vous aviez habité dans cette pagode? Did you live in that pagoda yourself? I lived outside the perimeter of the pagoda. Est-ce qu'il y avait une clôture qui entourait le périmètre où se trouvait la pagode? The perimeter in which the pagoda was located. Part of the surrounding had a fence, une but it was not fully surrounded by fence. Tout le périmètre. Et de quoi était faite cette clôture qui entourait une partie du périmètre? Fence made up. Est-ce que c'était une clôture en dur ou est-ce que c'était une clôture moins solide? Or was it a fence that was less solid? The fence was made of wood and it was not that strong. Elle n'était pas très dure. Bien, je voudrais revenir maintenant à la période durant laquelle se sont passées ces exécutions auxquelles vous dites avoir happened, which you said you witnessed. Est-ce que vous vous souvenez de cette période en 1978 où vous avez pu observer this period in 1978, where apparently you witnessed these. Pouvez-vous nous dire s'il s'agissait de la saison sèche ou de la saison des pluies, par exemple? This event happened during the dry season or during the rainy season, for example. It was during the rainy season. Oui, c'était pendant la mousson. Et c'était à peu près combien de temps avant l'arrivée des Vietnamiens au Cambodge, les forces vietnamiennes? Approximately. I cannot recall that. Je ne m'en souviens pas. Dans un procès verbal d'audition E3/9335, à la page 2 dans les trois langues, vous avez situé cet événement au mois de novembre 1978. Dans le deuxième procès verbal, E3/7890, également à la page 2 dans les trois langues, vous aviez dit que l'exécution a eu lieu dans le courant de l'année 1978 pendant la saison de la moisson, sans doute au mois de septembre ou d'octobre. Alors là, je voudrais que vous puissiez préciser s'il s'agissait bien de la saison de la mousson ou de la moisson. Are you speaking about the rain season, the rainy season, or are you speaking about the rice harvesting season? It was during the harvest season, and I actually had to wade through water in the rice et field. Je devais marcher dans des rizières pleines d'eau. D'accord. Fine. Est-ce que vous avez vu quoi que ce soit de l'arrestation et du rassemblement de ces Vietnamiens? Concerning the arrest and the gathering of these Vietnamese people.
khnyom khoeng ke pramol phdom yo teu dak nang vuat. I saw them being placed in the hall. J'ai vu qu'on les a mis dans un trou à la pagode. Là, je procédais par étapes, avant même les exécutions. Je parlais juste du moment où ils ont été emmenés vers la pagode. The moment before the execution, I was only speaking about the moment when they were arrested and taken to the pagoda. So, une ou plusieurs arrestations de Vietnamiens? Did you witness one or several arrests of Vietnamese people? I did not witness any arrest. What I saw was that they had already been there. J'ai vu qu'ils étaient déjà dans la pagode. Merci. Thank you. Est-ce que au sein de votre unité mobile des Vietnamiens ont été arrêtés? Vietnamese people arrested within your mobile unit? In my mobile unit, a female worker was removed, and her name I mentioned earlier was Chanta. Donc, à quel moment vous êtes-vous rendu compte qu'on l'avait retirée? Did you realize that she had been Est-ce qu'on vous en a parlé, ou bien est-ce que vous l'avez vu plus tard, about this, or did seulement you au moment des exécutions? Notice this later, only when the executions happened. Actually, the woman told everyone in the mobile unit that she was being transferred to study tailoring in Phnom Penh. La couture, à Phnom Penh. Qui était vietnamien dans la famille de cette femme, Who Chan Tha? Vietnamese in, Est-ce que c'était woman's family, in les deux Chan parents? Family? Est-ce que tous les grands-parents étaient vietnamiens? Were all of her grandparents Vietnamese? Chan Tha có Vietnam. Chan Tha was Vietnamese. Her grandparents were also Vietnamese. Est-ce qu'elle était née au Cambodge? Was she born in Cambodia? God, no. She was born in Cambodia. Elle était née au Cambodge. Est-ce qu'elle parlait le Khmer sans accent did she speak ou Khmer avec without un accent vietnamien? An accent, or did she speak Khmer with a Vietnamese accent? She spoke Khmer clearly. Elle parlait très bien le Khmer. Est-ce qu'on pouvait savoir en regardant ses traits physiques Was it possible by looking at her features qu'elle n'était pas Khmer? To tell that she was not Khmer. Yes, people could recognize oui, that. Oui, on pouvait reconnaître qu'elle était vietnamienne. Alors, j'en viens au transport des Vietnamiens vers la pagode. Savez-vous comment les Vietnamiens ont été amenés à la pagode de Ksa? To Ksa Pagoda. Khnyom ot ban khoeng. No, I did not witness that. Non, je n'en ai pas été témoin. Est-ce que vous avez appris comment on les a transportés did sur place, learn si vous, si vous ne l'avez pas vu vous-même? There, since, as you said that you did not see that, but were you told how they were taken there?
Le président. President, witness, please hold on. Monsieur and Council Cop, oui, you have the floor. La parole est à votre compte. I object, Mr. President. Je m'oppose à la I question. I should have objected already a long time ago. But who is they? How does he know that they are Vietnamese? How does he know why they are there? We jump from Chanta to massacre. There's no. It's complete chaos. This question. Can we at least establish how he comes to know this? Why these people are Vietnamese according to him? We don't know nothing at this point. Nous ne savons toujours rien. Monsieur le Président, je procède de manière systématique et progressive, justement pour essayer d'obtenir le plus de détails possible. To try to obtain as many details as possible. Puis-je poursuivre, so Monsieur may le Président? I continue, Mr. President. The objection is overruled. Prosecutor, you may proceed. Monsieur le Procureur, vous pouvez poursuivre. Si vous n'avez pas vu vous-même comment les gens étaient amenés à la pagode de Xa, est-ce que quelqu'un vous l'a dit? Did someone tell you how these people were taken to the Xa pagoda? I heard there are people talking about it. People said that they were transported by ox carts. Ces gens disaient qu'ils étaient transportés par charrette à bœuf. Est-ce que ces gens disaient que les personnes qui étaient transportées vers la pagode de Xa étaient tous vietnamiens? All of the people who were taken ou bien, to Xa pagoda were Vietnamese, disaient-ils autre chose? Or did they say something else? They said that they were Vietnamese. Ils ont dit qu'ils étaient vietnamiens. Une fois qu'ils ont été amenés à la pagode de Xa, pendant combien de temps sont-ils restés sur place? Est-ce que ça, vous le savez? How long did they stay there? Do you know? When they were transported to the pagoda. Quand ils ont été transportés à la pagode? They actually were killed on the night ils ont été that, tués they were, that they arrived le soir même at that de leur pagoda. Arrivée à la pagode. Est-ce que pendant la journée vous avez pu voir day, de loin were you able to see from a distance, est-ce que vous avez vu quoi que ce soit anything happened dans cette pagode? In this pagoda. Ot ban khoy. No, I did not. No. Pouvez-vous nous expliquer? Can you explain to us? Dans quelles circonstances vous avez pu assister? Under which circumstances des exécutions you were able to auxquelles vous avez fait référence tout à l'heure. Executions, those executions you quels sont les éléments qui earlier vous ont poussé à aller sur place what près de la pagode de Wat Xa? To come close to the Wat Xa pagoda. Well, no. At that time, I was walking back from my mobile unit, de mon unité mobile. And it was about 200 meters away. C'était I was 200 mètres, on même. A road next j'étais to the sur la route, a pagoda. À côté de la pagode. I heard the voices from the pagoda. J'ai entendu des voix. So I actually had a la pagode. Secret looked donc j'ai at what happening inside the pagoda. Ce qui s'y passait.
Est-ce que vous pourriez être un peu plus précis? Can you be a bit more specific Quel about that? Type de voix avez-vous entendu? What kind of voices did Qu'est-ce you qui vous a poussé à aller jeter what, un coup d'œil, comme vous dites? Led you to go take a look, as you said. When I had a look, Quand j'ai jeté I saw a people being walked out of the library hall, which was located in the middle of the pagoda premises. De la bibliothèque qui était au milieu de l'enceinte de la pagode. Je voudrais y aller plus progressivement Now, et vous like lire to ce que vous avez dit aux enquêteurs. C'est le document E3-9335. It is E3 à la page 2 en français, 2 jusque 3 en anglais et 2 en Khmer. La question qui vous est posée est la suivante. Racontez, s'il vous plaît, comment était-elle l'exécution des Vietnamiens par les Khmer Rouges? Votre réponse. Vers 19h, j'entendais beaucoup de gens pleurer à partir de la pagode. As of 7 o'clock, I heard Je a lot suis of sorti du siège de mon unité mobile pour me rendre dans le village pour me renseigner auprès des habitants. Mais ils m'ont répondu qu'ils ne le savaient pas. Avec suspicion, j'ai appelé mon ami et nous y allions. Nous y voyons un éclairage à environ 5 mètres à l'extérieur de la clôture de la pagode. Est-ce que c'est comme cela que ça s'est passé? Est-ce que vous avez entendu des gens pleurer en provenance de la pagode? That is correct. Oui, c'est exact. N'avez-vous pas pensé que c'était risqué de Didn't s'approcher feel that it was a bit risky pagode? To come close to the pagoda then? I knew it was risky. Je savais que c'était risqué. But I actually hit myself Mais je me in suis a caché. Pit. And I just approached the pagoda cautiously, and I actually had a look while I was about 30 meters away from the pagoda. Alors que j'étais à une trentaine de mètres de la pagode. Et lorsque vous êtes arrivé sur place à peu près 30 mètres, arrived, on site, that is say about 30 meters away from the pagoda, est-ce que les exécutions avaient déjà commencé? Had the executions already started? The execution was being carried out. Et c'est l'exécution était en cours. Combien de temps environ s'était passé entre le moment où vous avez entendu les gens pleurer vers 19h et le moment où vous avez pu observer les exécutions? À partir donc de quelle heure avez-vous pu observer les exécutions? I stood there watching the event unfolded for about an hour, là, j'ai regardé and then I left. Le déroulement de cet événement pendant une heure environ, et ensuite je suis parti. Et l'ami qui vous accompagnait, and the friend est-il who resté went with you, également, did he also durant le même laps stay de temps, there à observer les exécutions? And observe the executions? Yes, he was with me, oui, il était avec and nous. We left together. Et nous sommes partis ensemble. Concernant le lieu précis de cette Now, exécution the specific que vous avez location vu, of the execution, ces exécutions, or these executions, à quel endroit
de la pagode ou autour de la pagode where, ont-elles eu lieu? Par exemple, si on regarde l'entrée principale de la pagode, pourriez-vous nous dire, so if par you rapport look at à cette entrée principale, où se trouvait le lieu de l'exécution? From the main entrance, depuis l'entrée principale, the execution took place on le the right hand side. À droite. Et est-ce que c'était à l'intérieur du complexe de la pagode de Ksak ou à l'extérieur de la clôture que l'exécution avait lieu? Complex or within the fence that the execution took place? It was the outside the fence of the pagoda. De la pagode. Et à peu près à combien de mètres de la clôture de la pagode? And approximately how many meters from the pagoda fence? Yeah. Answer. It was about 5 or 6 meters from the fence. C'était environ 5 ou 6 mètres de la clôture. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aviez pu observer qu'on faisait marcher des gens depuis la bibliothèque située dans l'enceinte de la pagode ou du monastère vers le lieu d'exécution. Est-ce que vous avez vu combien de soldats accompagnaient les victimes vers le lieu d'exécution? There were about 10 to 12 of them. Est-ce qu'il était possible pour ces victimes de tenter de fuir? Was it possible for those victims to attempt to flee? Answer, no, they did not attempt to flee. Non, ils n'ont pas essayé de s'enfuir. De là où vous étiez posté à environ 30 mètres du lieu d'exécution, est-ce que vous aviez une bonne visibilité de ce qui se passait au lieu même où on exécutait les gens? On the execution site, per se. Well, no. At the time, they lighted the kerosene lantern, so it was clear for us to see, for me to see rather. J'ai donc pu voir clairement. Et est-ce que vous aviez pu voir clairement à la fois les soldats ou les gens qui exécutaient, ainsi que les victimes? Were carrying out the executions and the victims. Answer, yes, I could see the killing clearly. Réponse, oui, j'ai pu voir clairement les exécutions. Et comme vous étiez à 30 mètres, est-ce que vous étiez capable d'entendre également tout ce qui se passait sur place au lieu d'exécution? On the execution site. Lou. Answer, yes, I could hear it. Oui, je pouvais entendre. Est-ce que vous pouviez entendre les conversations des gardes? And could you hear the conversations ou des soldats? Between the guards or the soldiers? Lou. Answer, yes, I heard the conversation. Oui, j'ai entendu les conversations. Et pouvez-vous nous dire de quoi parlaient And can you tell les soldats us what the soldiers au moment de l'exécution? At the time est-ce qu'ils parlaient entre eux ou est-ce qu'ils s'adressaient aux victimes? Were they speaking to one another or to the victims? Answer, they were talking to the victims. Ils parlaient aux victimes. Et que demandaient-ils, que disaient-ils aux victimes?
គេ សួរ ចម្លើយ ចិន ឬ មួយ យួន Answer. They were the victims were interviewed to whether they were Chinese or Vietnamese. Ils leur demandaient s'ils étaient chinois ou vietnamiens. Lorsque les gens répondaient qu'ils étaient vietnamiens, and when the people said they étaient-ils were Vietnamese, exécutés? Were they executed? Answer, who said they were Vietnamese, they were killed at the pit. Parmi ces Vietnamiens exécutés, among the Vietnamese les gens que vous avez executed, vu that is among those être exécutés après qu'ils aient dit qu'ils étaient Vietnamiens, after they said they were est-ce qu'il y avait des familles entières comprenant des personnes âgées, families, des adultes elderly, et des enfants. Adults and children. Answer. I have no knowledge of that matter. Je ne sais rien à ce propos. Est-ce que vous avez pu observer ou non que des petits-enfants ou des nourrissons étaient exécutés? Little children or toddlers were executed. Answer, yes, I saw the children. Oui, j'ai vu les enfants. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu qu'on tuait également des enfants? What was your reaction when you realized that they were also killing children? I was standing and looking at the killing and I was so scary. Les exécutions, j'avais tellement peur. Et qu'est-ce qui vous a poussé à rester aussi longtemps à observer ces exécutions? Est-ce que vous ne vouliez pas vous enfuir? You to stay on the spot and to observe all those executions without fleeing? There was one adult who was with me and looking at the incident. D'accord, est-ce que le fait d'être à deux vous donnait du courage de rester et de voir ces exécutions? The fact that there were two of you present encouraged you to remain there to observe the executions. And he was older than me, and because with his presence that I dared to look at the incident. J'ai osé regarder l'incident. Bien, tout à l'heure, vous avez dit qu'on posait la question de savoir, very well, posait la question aux victimes de savoir s'ils étaient chinois ou vietnamiens. Y a-t-il eu des gens qui ont dit qu'ils n'étaient pas vietnamiens, mais qu'ils étaient chinois? Any of those people say that they were not Vietnamese, but Chinese? Mian. Answer, yes. Réponse, oui. Comment ont réagi les soldats lorsqu'un prisonnier leur disait did the soldiers react qu'il était chinois? When a prisoner told them he or she was Chinese. Kê bần đà chôl tử vinh. They walked, those who said they were Chinese, into the place. Ils conduisaient ceux qui disaient qu'ils étaient chinois à un endroit. Est-ce qu'ils les conduisaient directement juste parce qu'ils avaient dit qu'ils étaient chinois?
Did they walk them ou bien essayaient-ils de vérifier Chinese, cette information que ces gens étaient effectivement chinois? Cross-check that information to ascertain that they were indeed Chinese. Regarding the incident, I saw those who said they were Chinese were walked to another place, to the inside compound, after they said they were Chinese. Une fois qu'ils avaient dit qu'ils étaient chinois. Est-ce que vous savez si par la suite, and do you know après cet événement, ces Chinois ont survécu? After those events, the Chinese survived. These people were walked inside the compound of the ces personnes à l'intérieur de l'enceinte. And I noticed that killings happen, and after which some people were put on to the ox cart and taken away. President, you have the floor now, Mr. Cooper. Thank you, Mr. President. I'm a bit late, I realize. But I'm looking in the audience and I see somebody sitting, which could possibly be a person who is also being interviewed. And might be the spouse of this witness. And in order to be able to have the possibility to have his evidence verified by maybe one day calling upon his wife as witness, who gave a statement in E3/9390. I think it would be a good idea, Mr. President, if you ask the witness if the woman behind him sitting in the audience is indeed the wife. And the same person who gave testimony about events in Siem Reap. Qui a déposé au sujet des événements de Siem Reap. Monsieur le Président, est-ce que l'avocat pourrait répéter la cote du document? Nous ne l'avons pas eu en français. Can you repeat the reference of the document? We haven't heard it in French. It's E3/9390. The name on that WRI is the same name as his wife, or is the name of his wife. And considering the fact that we just come from a closed session into an open session, I would imagine that is indeed his wife sitting behind him. President, officer, President, huissier d'audience, please
asked the lady who is now sitting in the public gallery qui est assise dans la galerie du public how is she related to si the witness elle a un lien Song. De parenté avec le présent témoin Song. President, Mr. Song, the person who is sitting behind you in the public gallery, how is she related to you? Quel est son lien de parenté avec vous? Witness, I have not looked at that person yet in the public gallery. Witness, she is my wife. Témoin, c'est ma femme. President. Président. Mr. Copé. Maître Copé. Is it true that this individual will also be summoned by the chamber to testify on the treatment of Vietnamese? Pour déposer au sujet du traitement des Vietnamiens? Maître Copé. Well, I don't think she's on the list now. What I do know, as I just said, that she gave a statement, WRI, which is E39390. And of course, there might come a request at one point from one of the parties to see if she can somehow corroborate his evidence. It's uncertain. I agree. I see you, Judge Vance. But still, I think if there is a mere possibility, and her and his wife did give a statement, apparently her testimony was relevant to the investigators. Then I think we should continue tomorrow in her absence. Je pense qu'il nous vaudrait mieux poursuivre demain en son absence. Can we just clarify for the record? She's so far not on anybody's list. Pour l'instant, elle ne figure sur la liste de personne. Have understood that correctly? J'ai bien compris. Correct. Yes. Exact. And as far as I understand you, you yourself can, at this point in time, say if you might make a request to hear her. No, not at this stage, but. À ce stade, non. We might be looking for some corroborating evidence. Mais peut-être nous faudra-t-il à un moment donné des éléments. The story is quite interesting, to put it mildly. And it would be worthwhile. We've done it before in the second on Krang Thai Chan. Requests were denied, but asking for evidence that could potentially corroborate the inculpatory evidence. And it might be something that he spoke to about these events to his wife. So at this stage, there's no request. I cannot decide yet whether we will make such a request. But I don't think that is the decisive factor. Mais je ne pense pas que ce soit là un facteur décisif. President, you have the floor now, Judge Lavagne. Maître Copé. Est-ce que sérieusement prétendez que nous devons interdire l'accès à la salle d'audience à toutes les personnes susceptible à un titre quelconque de venir témoigner dans ce procès alors qu'elle ne figure sur aucune liste de témoins. Simplement le simple fait que peut-être elle pourrait un jour être appelée à témoigner suffirait pour qu'on les exclue de la salle d'audience. Il me semble que le droit à un procès public fait partie des droits de la défense. From this courtroom. I think this is a public trial. And it is not an exclusive right of the defense. Well, obviously, if it was just his wife coming to support him, I wouldn't have a problem. But we can establish that she gave, in this very same segment, witness testimony, which is given a very recent E3 number. And therefore, she's in a completely different position as compared to anyone who just visits the courtroom because it's a public hearing.
en tant que dans la galerie du public. And the fact that we haven't decided yet whether we will seek her testimony, I don't think, as I said earlier, is a relevant decisive criterion. In order to shorten this for today, your request is for from tomorrow onwards. Do I understand you correctly? To remove her from the audience from tomorrow onwards. If I understood you correctly, we can make a decision tomorrow morning and go ahead now. Oh, no. No, we would have to stop now and then go on tomorrow. Oui, merci, Monsieur le Président. Si je peux faire un commentaire là-dessus. Le témoin avait 15 ans en 1975. Il en avait 19 en 1975. Il me semble très clair qu'il s'est marié après. Deuxièmement, j'ai lu effectivement ce document qui figure sur l'interface, qui a été placé sur l'interface par la défense de Nunchia. Je l'ai lu en me disant il y aura sûrement des éléments sur la pagode de Jvat Ksa. Mais il n'y en a pas. Il n'y a rien. Donc ce n'est pas quelqu'un qui pourrait même témoigner sur le segment des Vietnamiens, c'est quelqu'un qui peut témoigner sur ce qui s'est passé éventuellement à Siem Reap. Alors de dire qu'elle ne pourrait pas assister juste parce qu'ils auraient pu en parler après leur mariage, bien après les faits, me semble tout de même très léger. Je demande à pouvoir poursuivre mon interrogatoire du témoin. A flimsy reason to stop the proceedings at this point. So may I request the chamber to allow me to continue putting questions to the witness. Merci, Madame la juge, de me donner la parole. Thank you, Your Honor, for giving me the floor. Je souscris aux observations de mon confrère et j'ajoute que cette personne n'a été mise sur aucune liste. And I would like comme to vous add disiez, Monsieur le juge, donc à partir de ce moment-là, ça me paraît particulièrement difficile d'arbitrairement interdire l'accès à la salle d'une personne qui n'a pas été proposée par la défense, qui n'a pas été proposée par les procureurs, qui n'a pas été proposée par les parties civiles. Je ne comprends vraiment pas le fondement de l'objection de notre confrère de la défense. Of the objection made by our learned colleague of the defense. President, since there is no sufficient basis and ground that the wife of this witness who is now sitting in the public gallery is in the list requested by any parties, the témoin qui est à présent assise dans la galerie du public. And since there is no request to summon her to testify in case 002/02, the chamber has no rights to prevent her from being in the public gallery and observe the court proceeding. So the chamber will not order c'est pourquoi the security personnel to remove her from the courtroom today and also the day the following days. And now the chamber resumes its hearing. Co-prosecutor, you may resume your line of questioning. Monsieur le co-procureur, vous avez la parole. Merci, Monsieur le témoin. Je voulais simplement citer ce que vous aviez dit à propos de ces personnes chinoises. You to tell the chamber what you said regarding devant that les person enquêteurs des juges d'instruction, le document P3/9335 à la page 4 en chacune des langues. In each of the languages. Ensuite, les Khmer Rouges, voilà ce que vous avez dit. Ensuite, this les Khmer Rouges ont ramené ce Chinois dans la pagode pour rechercher ses frères et sœurs. Environ 20 minutes plus tard, j'ai aperçu qu'il tombait encore sur un autre Chinois. Alors, pendant plus d'une heure où je les ai épiés en train d'exécuter les Vietnamiens, il y avait deux familles chinoises qui ont été relâchées.
the Vietnamese victims. Ils ont ordonné aux habitants du village de les transporter en pleine nuit et par charrette à bœufs à leur village natal. Lead them back to their native villages. Fin de citation. Alors j'ai deux questions. Est-ce qu'il s'agissait de deux individus chinois ou de deux familles? You talked of two Chinese individuals. Et ici vous dites qu'ils ont été relâchés. And you said that they were released. Tout à l'heure vous avez dit qu'ils avaient été amenés à un autre endroit. Est-ce que vous pourriez préciser? You said that they were taken to another location. Could you please clarify that point? Those people were walked out of the killing site to search for their wives, and afterwards they were sent back to their villages. D'accord, alors j'en viens aux tueurs. Let us now talk about que vous avez pu observer pendant au moins une heure. You were able to observe for approximately vous avez dit qu'il s'agissait de soldats, si je me trompe. Comment saviez-vous que c'était des soldats? How did you know that they were soldiers? À quelle unité ils appartenaient? Did you know their unit of origin? I said they were soldiers because la raison pour laquelle j'ai dit que c'était des soldats, c'est parce que chacun d'entre eux était armé et I cannot tell you their units of origin. Et je ne peux pas vous donner les unités d'origine. Est-ce que c'était la première fois que vous voyez l'ensemble de ces soldats? Ou bien les aviez-vous déjà croisés auparavant dans cette localité ou dans le district? Earlier in that area or in the district? Answer, I never saw them. Réponse, je ne les ai jamais vus. Le soir, vous avez assisté aux exécutions. Est-ce que vous avez retenu des noms de ces soldats? Did you se sont adressés la parole take note of the names en of s'appelant the soldiers par leur nom? Who spoke to those victims, calling them by their names? Answer. At that time, people were addressed by using the word comrades. On utilisait specific le mot name pour were not aux gens. Used. À l'époque, on n'utilisait pas des prénoms spécifiques ou des noms spécifiques. D'après ce que vous avez vu à 30 mètres, est-ce que from what you were able to observe 30 meters away, ces soldats qui étaient les bourreaux buvaient de l'alcool were those soldiers pendant qu'ils procédaient aux exécutions? Executions, drinking any alcohol while they were carrying out the executions? Answer, yes, they drank. Réponse, oui, ils buvaient. Lorsque les victimes étaient amenées à l'endroit de l'exécution, when the victims were led to the execution site, est-ce que ces victimes étaient attachées ou non? Were they tied or not? Answer, no, they were not tied. Non, ils n'étaient pas attachés. Est-ce que certaines de ces victimes avaient les yeux bandés? Were some of the victims blindfolded? Answer, no, they weren't. Réponse, non. Étant donné que les victimes n'avaient pas les yeux bandés, given that the victims were not blindfolded, au moment où elles arrivaient sur le lieu d'exécution, when they would arrive at the execution site, quelle était leur réaction en voyant les corps des autres personnes déjà exécutées? How would they react when they saw the bodies of the people who had already been executed? Answer.
I was looking at them from a distance, the victims were acting à distance, normal. Et les victimes agissaient normalement. Quand vous dites qu'elles agissaient normalement, elles n'avaient aucune réaction en découvrant qu'elles allaient être exécutées. You mean that they had no reaction when they would discover that they were going to be executed? រចំងាយប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមើលទឹកមុខគាត់អត់ដឹងទេថាគាត់ did not I could not see the face short expression of the victims clearly and I did not know at the time whether they were so terrified or not. Je ne savais pas s'ils étaient ou non terrifiés. Est-ce que vous les avez entendus crier ou pleurer à ce moment-là? នៅទីកន្លែងមិត្តលងស្លាប់គឺអត់មានឌី pits I did not from that pit I did not hear any cries depuis or scream. La fosse je n'ai pas entendu de cri. Est-ce que les victimes lorsqu'elles étaient exécutées étaient toutes habillées were ou bien étaient-elles déshabillées or were they naked when they were executed? Some victims were undressed and some were dressed. And some other half of their body were undressed. Certaines personnes étaient habillées qu'à moitié. Et comment exécutait-on ces gens? Avec quelles armes ou avec quels moyens, avec quels instruments? With which means, with which instruments? They used the bamboo sticks. Ils ont utilisé des bâtons de bambou. With around 70 centimeters. De environ 70 mètres de long. J'ai entendu 70 mètres de long. Je pense que c'est 70 meters long, but I believe it was 70 centimeters. Peut-être dernière question, Monsieur Maybe le Président, je vois que l'heure avance. I see that, time is running out. Est-ce que les petits-enfants étaient également frappés à l'aide d'une souche de bambou, d'un bâton de bambou, ou bien étaient-ils tués d'une autre façon? The bamboo sticks, or were they killed in another manner? Answer. To my observation, some children were killed to death and some other were thrown into the pit. Certains enfants ont été tués, d'autres ont été jetés dans la fosse. Je n'ai pas bien compris votre réponse. Vous avez dit certains enfants ont été tués, answer. D'autres jetés dans la fosse. Were killed and some were thrown into the Est-ce pit? Qu'ils ont tous été tués? Were they all killed? Ou voulez-vous dire que les façons dont ils ont été tués ont été différentes selon les cas? Est-ce que vous pourriez expliquer? Can you explain here? Answer. After the children arrived at the killing site, some of them were killed, and some others were thrown up into the air, and when they fell down on into the pit, they fainted and collapsed, and perhaps they died afterwards. It is not time for the adjournment. Le moment est venu. And the hearing will resume tomorrow on Wednesday, 28 October 2015, at 9 o'clock. Tomorrow, the chamber will continue hearing the testimony of the witness avec la comparution du témoin Sien Song.
on the treatment of Vietnamese. Sur le traitement. Please be informed. Thank you, Mr. Sien Thun. Merci, the Monsieur Sien hearing Thun. Of your testimony has not Votre comparution come n'est to pas a encore conclusion terminée. Yet. You are therefore invited to Nous testify once again tomorrow demain. At 9 a.m. Court observer, please work with the vessels to make a transport arrangement to the place where he is staying now. And please invite him back into the courtroom tomorrow at 9 a.m. Security personnel are instructed to bring the two accused back into the ECCC detention facility and please have them return tomorrow at 9 a.m. The court is now adjourned.